Hey, salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un live au Sniper sur Black Ops 2. Voilà, retour sur Black Ops 2, un petit live parce qu'on m'a pas mal de fois dit que je faisais des vidéos un petit peu trop courtes sur Black Ops 2. Et bah je dis, allez, tiens, un petit live aujourd'hui. Allez hop, tiens, bouffe. Bouffe. Oups, merde, là je bouffe, voilà. Donc je suis au balista à la mire, je pense que là, jusque là, vous l'avez remarqué, parce que j'avais envie de jouer à la mire, et donc je vais essayer de me concentrer, essayer d'avoir un bon shoot. J'avais fait une petite partie avant, et c'est vrai que c'était pas super facile, j'avais pas trop de shoot, et bah faut dire que les ennemis sont pas forcément toujours très tendres avec toi, et des fois sont un petit peu chiants. Alors là j'hésite parce que je me dis, si j'avance, il va sortir sa tête comme par hasard, et je vais me faire avoir. C'est souvent ce qui se passe. Bon, par chance il l'a pas fait. Qu'est-ce que tu fous là? Tiens, revanche, bâtard, revanche, bâtard, revanche. Est-ce que ça va venir en haut ou en bas? Je vais partir en bas. Je vais essayer d'aller les piquer un peu là. Tiens. Je pense que là, ça va repartir là-haut. On va voir. Jusque-là, ce qui est bien ici, c'est qu'on a un double vision, en haut et en bas. Voilà. Marqueur, fait chier. Ah, dommage. Allez, protège la porte des fois qu'il y en a un qui arrive. Hein. Faudrait qu'il y en a un qui protège la porte là. C'est un petit peu de la camp, mais qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé un petit peu d'attendre juste là. Oula, bah alors lui, il joue lance patate, ça joue bien. Oh putain. Oula. Ah merde, je me dis, je vais me barrer. Et tant pis. Un peu con, toi. Merde, merde, je l'ai loupé. Ah, fais chier. Bon, je vais faire attention. Où est-ce qu'ils sont? Ah, merci. Ça, on peut dire qu'il a rendu service, ce petit drone. Ouf, assistant suicide. Ouh là là. Alors attention, parce que là je suis à la mire. Du coup il y a une petite distance. Hit marker. Ah putain, bon, attends, je vais faire attention. Je vais y aller par en dessous du coup. Parce que là ils vont m'attendre. Hein. Tiens, essayez de faire le tour. Toute une question de réfléchir comment, essayer de voir comment est-ce que l'ennemi va... Regarde. Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Essayer de réfléchir et se mettre à la place de l'ennemi. Tu dis que les mecs qui campent, ils t'attendent. Tu fais le tour, tu les cueilles. Voilà. Oups. Là, je pense qu'il y en a qui doit être sur mon insertion tactique, j'imagine. Alors, je vais essayer de me concentrer. Voir où est-ce que je vais passer. Ouh, merde, 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 merde. Ouhou. Tiens. Voilà. Oh merde, ils ont réapparu derrière. Putain, c'est dégueulasse. Tiens, on va le niquer lui. Oh, il s'est fait avoir. Oh, le pigeon. Voilà. Oh. Ouais, pourquoi j'ai pris ça moi? Voilà. Bon, allez, on y va tranquillou, on fait attention. Parce que là, j'imagine, j'ai l'impression qu'en face, le mec à la sulfate, comme une fois sur une, il joue au détecteur de cible. Donc je vais essayer de faire attention. Attends, attends. Headshot. Ah, ça va réapparaître là-haut. Et c'est mon erreur de tout à l'heure, je suis resté en place beaucoup trop longtemps. Et c'est vrai qu'en MME, bah, ça a tendance à tourner vachement vite les spawns. Donc... Ah putain! Je l'ai entendu pourtant. Donc du coup, bah, essayer de se barrer un peu plus vite. Hein. Tant pis. My bad, mon erreur. Et du coup... Oh, j'étais dessus! Non, c'est dégueulasse, j'étais dessus. Ouais, j'y retourne, allez, j'y retourne, j'y retourne. Tiens, hop, headshot, biatch.
Ah, ça joue lance-patate, hein. C'est beau gosse. Je m'en fous, je vais prendre son lance-patate. Merde. Ah mais encore, oui, j'ai oublié, j'avais le couteau balistique. Hop, je vais le reprendre. C'est un peu tendu là, hein. Tiens, pousse-toi. Laisse papa y aller. C'est là-haut. Ouh. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Petit ratio 3,43 à la mire, voilà, pour commencer un petit peu là-dedans. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, le retour sur Black Ops 2, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé, j'étais vachement concentré. J'essayais vraiment de sortir mon épingle du jeu là-dedans. Donc du coup, je me concentrais pas mal sur la partie. En tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir ce petit retour sur Black Ops 2. J'ai pas encore fait, enfin ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo, mais j'ai passé le Prestige 10. J'ai pas encore sorti la vidéo, mais j'ai passé le Prestige 10 sur Call of Duty Ghost. Donc maintenant, voilà, j'ai plus d'expérience à gagner. Je suis tranquille, je vais pouvoir retourner sur les anciens Call of à l'aise. Et voilà, j'ai voulu commencer justement après ça Black Ops 2, parce que pour moi c'est vraiment un Call of que j'adore, et surtout parce que comme c'est le dernier en date, il y a beaucoup plus de monde qui joue. C'est vrai que sur le matin, si tu vas sur World at War, c'est mort. Et de retour, voilà, petite coupure, ouais, effectivement il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, donc du coup ça m'avait viré de la partie. Donc voilà, je relance une partie, c'est parti sur Hydro, on continue avec la mire parce que j'ai envie de faire un live à la mire. Comme j'ai dit, j'adore vraiment jouer avec cette arme là, et à part sur World at War où malheureusement on trouve de moins en moins de monde, c'est vrai que c'est tellement dommage. Et en parlant de ça, qu'est-ce que je rêverais d'un World at War 2. Imaginez si Sledgehammer Gamer, donc le studio qui fabrique le Call of Duty 2014, effectivement pour ceux qui s'attendaient à un Black Ops 3 cette année par Treyarch, malheureusement il faudra attendre 2015. Alors c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on ne sait pas encore. Effectivement, ça se trouve ils vont nous apporter quelque chose de pas mal, on ne sait pas, ils n'ont jamais fait un Call of, donc il faut quand même leur laisser la chance, hein. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voilà, c'est ce qu'on dit je crois. Donc ça commence bien au niveau du shoot. Mais arrête, je suis dessus. Putain, mais sans blague, je suis dessus, quoi. Je veux dire, je veux pas non plus faire le médisant, mais voilà. Et donc, justement, à ce sujet, j'avais envie de jouer à la mire, donc je suis venu sur Black Ops 2, parce que sur World at War, surtout dès le matin, à la limite, sur le week-end, il y a peut-être un peu plus de monde, mais voilà, dès le matin, comme ça, il y a personne, hein, tu te doutes bien. Allez, on va foncer dans le spawn, on va essayer de voir s'ils vont réapparaître là, ou si ça va pas changer. Ah non, ça, c'est un allié. Donc, du coup, allez, va voir sur le pont, gamin. Je vais essayer de passer par derrière. Putain, non, ça a tourné. Petit marqueur. Ça fait plaisir. Allez, c'est pas grave. Headshot, biatch. Pour la petite revanche, on va foncer dans le spawn. Allez, dépêche-toi. Là, le spawn, par contre, j'ai l'impression qu'il va changer super rapidement. Hein. Faut vraiment rester alerte entre droite et gauche. Ça va repartir par là-haut. Et c'est vrai que j'étais tellement déçu qu'il n'y ait pas la mire sur Ghost. C'est un truc que j'attendais, tu vois. L'USR à la mire, ça aurait été tellement, tellement génial. Malheureusement, on l'a pas eu. Non ! Mais qu'est-ce que tu sors là, toi ? Oh, non ! Putain. J'étais bien, bien resté là, en plus. Ils ont réapparu. Mais malheureusement, il y avait un mec qui était déjà parti dans le bâtiment. Donc, il m'a un petit peu niqué mon rêve, voilà. Je me disais youhou, mais non, pas du you. Attends. Il est où ce bâtard? Je sais qu'il est là. Hein. Moi je vais recharger histoire de reprendre un peu de vie. Comme ça en plus je vais laisser mon allié y aller. Par chance il va changer de direction, non? Hop. Oh merde! Merde, putain, j'avais la collate headshot, pourquoi elle est pas passée? Ah, c'est frustrant.
Alors, c'est vrai que j'ai plus trop l'habitude de jouer à la mire et il y a des fois bah, ça se ressent, hein, effectivement. Je vais pas trop me faire repérer là. Mais non! Mais c'est pas vrai, putain, mais... Ah lui, le campeur au lance-patate, là, putain, il casse les couilles, hein. Aïe, 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 aïe. Voilà. Non, non, hop, heureusement que j'ai gilet pare-balles, mon pote. Alors, je vais attendre l'autre bâtard au lance-patate, là. Putain. Ah, putain, où est-ce qu'il va être? Et arrête! Mais putain, mais ça m'énerve au plus haut point. Je veux dire, je lui tire dessus, ça le prend pas. Je me cache derrière le mur, c'est là où je me fais tuer. Alors que je vois même pas que je me fais toucher quand je suis devant. Ça, c'est vraiment énervant, hein. Putain, et mais foncez dans le tas, arrêtez d'avoir peur. Putain, hitmarker encore une fois. Eh, c'est pas possible, hein. Tiens, je vais prendre. Voilà. Foncer dans le tas avec ça. Voilà. Comme ça, on arrive dans le spawn. Et ils sont plus là. Ok, youpi. Oula, je crois que j'en ai entendu un là. Putain, j'ai dit si ça continue, je vais taper un hitmarker. UAV awaiting order. Oh, je vous l'ai mise, mon pote. Ah, j'ai eu ma petite revanche, hein. Ah oui, là, je pense que mon petit frenzy kill, là, il a fait plaisir. Ah, merde. Putain, j'ai tiré au-dessus. Bien joué quand même, le petit jump. J'avoue que ça m'a mis dedans. Ah, bah, c'était mon allié. Je comprends pas trop leur stratégie généralement. Le point de là, c'est plus. Je vais attendre, hein, si tu veux. Je vais pas y aller me faire buter. Voilà. Bingo. Bon, c'était pas une partie exceptionnelle encore une fois. Hein, j'ai fait une petite action qui était sympathique pour moi, où j'aime bien, tu vois. Bon, c'est pas un truc que tu dis ah magnifique, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est des petites actions qui font plaisir, c'est tout le but. En tout cas, bah voilà, encore, je vais faire une petite troisième partie après ça, en espérant que ça se passe bien, bien évidemment. Petite interruption malheureusement, petit problème de connexion, donc ça a coupé encore la partie, c'est dommage, mais c'est pas grave, c'est reparti pour le live. Troisième et dernière partie de ce petit live à la mire en balista, et cette fois-ci je suis sur Studio, une map que j'adore. J'espère que je vais arriver à bien jouer, parce que c'est vrai que j'ai eu bah, des petits problèmes de connexion. Je trouve que la connexion est pas forcément au top, justement bah, dû à cette coupure-là. Et voilà, bon, en espérant de la gérer, bon, ça commence bien. Ah, dommage, bien joué. En espérant de la gérer, en espérant de faire une bonne partie, c'est tout ce qui compte. De toute façon, l'important n'est pas forcément la performance ou quoi, c'est de passer un moment tranquille, tout, j'allais dire tous les deux en intime. Non, mais tous ensemble, voilà, un petit live tranquille, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on m'avait dit pas mal de fois. Oh, fils de pute, t'es où toi? Oh, l'enculé de sa mère. Oh là là. C'est pas grave, je vais essayer d'y aller de ce côté-là. Je vais faire attention aux angles maintenant. Parce qu'apparemment ça campe. Et je loupe le headshot comme un con. C'est ma faute. Fils de pute. Voilà, voilà, ça c'est les putains de gros fils de pute, de grosse merde, de vorace, les salopes. Ah, t'as voulu me la mettre en plus, hein. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que tu t'es mangé, toi, enfoiré. Oh putain, voilà, y'a le mec derrière. Voilà, les mecs au sniper, cap 40, beau gosse, voilà. C'est ce que j'appelle des grosses merdes. Voilà, des grosses merdes. Franchement, tous ceux qui jouent au snipe et qui sortent leur cap 40 systématiquement, je vous le dis, j'ai pas honte, je vous le dis, j'assume, vous êtes des grosses merdes. Voilà. Franchement, jouez au sniper ou jouez pas au sniper, mais arrêtez de faire semblant, quoi. Bah, tu vois, comme lui, voilà. Je crois que je vais finir par... Et c'est pour ça, la dernière fois on m'a dit ouais, Sky Rose,
joues au C4, machin, le C4 c'est pas terrible. Le C4 j'utilise généralement pour jeter sur ces bâtards. Alors là, je me concentre un peu. Hein. Ah putain, j'étais pas assez rapide. C'est ma faute. Puis là, en plus, je sens que je vais la perdre la partie là. Ce qui me ferait chier un peu, vous vous doutez bien. Attends, je vais mettre mon petit insert là. Je pense que ça va peut-être réapparaître de ce côté-là. Oh là, tu l'as vu lui? Oh merde. Oh, il est beau gosse. En fait, c'est un beau gosse le mec. Il joue SVU et tout. Oh, propre. Tiens, bah, tu joues SVU, mais t'as plus tête, comment tu fais? Oh merde, putain, c'est ma faute. Ah, c'est ma faute, j'ai vraiment déconné. Alors là, je vais essayer d'y aller. Tiens, ton cap 40, tiens. Bouffe-te. Oh putain, le coup de couteau il est pas passé, bordel. Voilà. Toi, regarde-moi ça, regarde. Fils de pute. Ah bah j'ai le droit, hein. Normalement j'ai le droit de le dire. Alors, dites pas ouais, t'insultes gratos, non. C'est vraiment un enculé quand même. Hein. Le mec il attend au cap 40, même pas il attendrait au snipe, tu vois, il attend au cap 40 sur l'assertion tactique. Franchement, là on est parti dans un niveau. Voilà, c'est n'importe quoi. Alors là, on est dans un niveau de connard. Vraiment, c'est du gros, gros niveau, quoi. C'est vraiment du gros enculé, mais de compétition, là. Franchement, je pense que là, ils font des compètes, les mecs. Hein. C'est pas possible. Il doit y avoir des compétitions d'enculés, ils doivent participer. Hein. Ah bah, moi, je suis carrément sûr. Hein. Pas la perdre, hein. Putain! Ah, mais là en plus, je suis à la mire, c'est pas forcément évident. C'est vrai que. Bon. Allez, 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 il y a du monde là, il y a du monde. Où est-ce qu'ils vont arriver? Voilà. UAV on standby. Keep pressing the fight. We're taking it to him. Je m'en suis bien sorti, hein. Putain, on peut dire que là, c'était pas forcément super simple. Et encore ce hitmarker. Bordel. Mais non, mais hitmarker encore, bordel! Putain, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Putain, pas trop de shoot, hein. Oh, merde. Bon. Voilà, c'est terminé. J'étais franchement concentré sur cette partie-là, ça s'est pas forcément bien passé. En tout cas, en règle générale, sur le live, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes, c'est pour ça que les parties étaient entrecoupées, et que, également, bah, les scores étaient pas forcément... Mon shoot était pas très bon, voilà, franchement. Et puis je suis tombé sur des adversaires aujourd'hui, un peu relous, il faut l'admettre. Là, en plus, on avait des bons enculés, vraiment, des compétitions, hein. Franchement, en plus, je pense que c'est des stars dans leur pays. En tout cas, voilà, le live est terminé pour le moment. Enfin, pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, une petite vidéo pour passer un bon moment ensemble. Voilà, il n'y a pas eu forcément de grosses performances particulières, mais l'important c'était de passer un bon moment ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé justement ce bon moment là un petit peu de répétition, un petit pouce vert ça fait plaisir, si jamais ça t'a plu, des questions si t'en as, tout ça, ce que tu veux dire, tout ce que tu veux, bah, t'as en dessous la description, tu laisses un commentaire, voilà, t'as le droit. Et en tout cas, bah, pour ma part, je vous remercie d'avoir participé, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine.